Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment réaliser les teardrops du trait le plus fin vers le trait le plus épais. Je réalise mon point focal et je place mon pinceau sur la pointe. Je commence mon trait en restant sur la pointe du pinceau, avant de finir par l'appuyer délicatement sur la peau pour former la tête de la larme. Pour obtenir un trait fin et délicat, la pointe du pinceau doit effleurer la peau. Observez bien la différence de mouvement entre les teardrops qui partent du trait le plus épais vers le trait le plus fin et celles qui partent du trait le plus fin vers le trait le plus épais. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La pression sur le pinceau y est exercée de manière trop importante dès le début. Tout se joue sur la pression que vous exercerez sur le pinceau. Plus la pression est légère, plus fin sera le trait. Et inversement, plus la pression est forte et plus le trait sera épais. La tête de la larme peut varier de taille également. Si vous appuyez légèrement, la tête sera petite. Si vous appuyez de façon plus marquée, la tête sera plus grosse. Maintenant, je fais un point focal pour réaliser des teardrops courbes. L'angle peut représenter le coin de l'œil, par exemple, d'où partent les teardrops. Il faut leur faire prendre un virage et les emmener là où vous voulez qu'elles aillent. Je reste sur la pointe, j'appuie. Je reste sur la pointe, j'appuie. Pointe, j'appuie. Pointe, j'appuie. Je fais les mêmes teardrops, mais avec un pinceau plus fin. Il faut rester le plus léger possible sur le pinceau, afin d'obtenir un résultat délicat. Après, ce sera à vous de réguler la pression pour obtenir le résultat voulu. Vous pouvez voir que le résultat est différent quand l'appui est un peu plus marqué. Les teardrops changent légèrement d'aspect. On peut également mélanger les deux styles de teardrops, les traits fins à épais ou épais à fins. Et maintenant, à vos pinceaux.